Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Cette maxime de Jean Lafontaine cite bien à bon nombre de travailleurs, sans pour autant laisser transparaître le malaise. Alors que le climat de l'emploi au Cameroun affiche sombre allure, d'aucun ancrait, mais chacun y va surtout de son gré. Immersion dans le secteur d'activité de deux travailleurs aux débouchés différents. À 41 ans, Donald est vitrier, une activité qu'il exerce depuis de nombreuses années dans cette vitrerie dont il est directeur. Encadrement photo, miroir et aluminium sont les services qu'il propose sur le marché. Une activité pas du tout aisée, car il est obligé de se rendre sur le terrain pour avoir ses clients. Nous allons sur le terrain, chez le client, connaît la dimension. Notre domaine, ce n'est pas un domaine où c'est comme le ciment, que ça a un prix fixe. Cependant, les prix du miroir sont instables. C'est pas facile, mais on peut dire qu'on vit de jour en jour. Avec cette pandémie que nous vivons maintenant, ça fait 2 ans, ce n'est que le maintien. Difficile. Patrick, quant à lui, est un vendeur à la brocante. Un secteur d'activité tout aussi gangréné par la crise sanitaire, avec la fermeture des frontières qui ne cesse de planer sur l'activité. Actuellement, vu les conditions économiques dues au problème que nous rencontrons, c'est un peu difficile en ce moment. À la question de savoir si cette activité nourrit son homme, Patrick est dubitatif. Disons qu'on est là un peu pratiquement à la survie, on est là, c'est un peu du jonglage, pour dire, comme on dit dans le jargon trivial, c'est le jonglage. Un secteur d'activité pas semé de pièges, mais aussi de générosité. Des aléas qui n'empêchent tout de même pas aux deux travailleurs de satisfaire leurs différents clients.